Et rebonjour YouTube. On est reparti. Ouais, puis c'est un cauchemar. Les VOD d'une heure et demie, c'est pas vraiment le même temps à upload. Non, je fais pas attention. Pour être meilleur. Je vous cache pas que j'espérais finir Cotton Alley en une heure. Vu qu'il me restait pas trop de niveau. Et qu'en plus ça s'enchaînait bien au début. Hein. Ça se trouve c'est ce qui va se passer maintenant. Ah mais je meurs tout le temps au même endroit, c'est un truc de malade. Enfin, je meurs tout le temps au même endroit et je meurs aussi avant l'endroit. Ce qui est fort embêtant. J'espère. La fin d'un supplice pour en recommencer à nouveau. Ouh, je suis pas passé loin d'ici, hein. Oh, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que je recommence, je fais la même. Faut vraiment que j'attende la dernière seconde. En même temps, courir sur une scie, c'est pas un truc que je fais d'instinct, moi. Non! J'ai pas eu le mur. Ah, mais merde, je fais que des échecs. Ok. C'est dingue toutes les phrases que tu connais pour remotiver un homme. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai peur. Non. Un étage de plus. Ça faisait au moins une bonne demi-heure que ça nous était pas arrivé. Là on est bon.
Ah. Bon, on y arrive déjà plus souvent. Et j'ouvre ma gueule. Là, c'est un truc de fou. Hein. Puis il faut vraiment une concentration au petit. Et pour ça, ce genre de jeu, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en stream. Disons que c'est peut-être pas le meilleur plan. Ah, puis je sais très bien ce qu'il faut faire en plus. J'attends que mon cœur redescende avant de... avant d'en replacer une. Je me sentais même plus respirer. Ah. Oui, c'est sûr que j'ai fait le plus dur là. On va réussir. Ouh putain de merde. On va réussir. Ensemble on va y arriver. Ah ben là j'ai... Mes bras sont tout tendus. J'avais fait tellement de sauts réussis. Un miracle qui arrive tellement rarement. Ah, je m'en veux. Ah, si vous saviez comment je m'en veux. Le skill légendaire.
Ah, un peu trop tard. Enfin, trop tôt plutôt. Là, c'était un peu trop tard. Oh bah si j'arrive plus à sauter la scie maintenant. Ah mais j'ai mal au doigt. J'ai super mal au doigt. On va arriver au stade où je pose tout simplement ma main sur le. Sur le dash. Oula. Je sens que je suis moins performant là. Au fin fond de moi, je commence à le sentir. Allez, hein, Mister Groove, t'es un génie. À placer. À chaque fois, je passe les deux premiers et je pense que ça me donne un petit élan de confiance. Et que le troisième, je fais moins attention peut-être. Ouais, c'est ça, en fait, quand j'arrive trop de mouvements à la suite. J'ai un élan de confiance et je fais plus attention. Faut que j'arrive à supprimer cet élan de confiance. Toujours me rappeler de comment je passe un obstacle. Là voilà, c'est là voilà. Les trois petits sauts. Là on freine un coup. Là on attend que l'autre parte, on y va, on saute. Là on attend que ça part maintenant. Des petits sauts. Ça va faire un petit saut, voilà. Ok. Là on va attendre que ça revienne. Ok. Là on connaît, on attend son retour. Là, à chaque fois un saut, on fait une pause. Ok, et là maintenant on se concentre. La fin. Oh mais quel connard! On prend son temps. Ouais, le saut qui passe pas là. Je pensais vraiment me cogner contre le bord comme d'habitude. Mais du coup, non. Maintenant. Voilà. Attends que ça revienne, le petit saut. Deux. On va essayer d'y aller plus, encore plus dans le calme et la détente. Ah merde! Et pourtant là j'étais relativement calme. Ce qui est très contraignant c'est quand tu mets autant de temps en fait à faire tout le trajet. C'est vraiment. Je pense que c'est le truc qui te. C'est peut-être une des choses qui te déconcentre le plus de devoir tout refaire à chaque fois. Okay.
J'ai sauté trop. Ma faute. De toute façon, tu me diras dans le genre de niveau. Ne faites que ma faute. Oui. La petite pause s'impose. Merde. Alors, j'essaie vraiment de me concentrer là, c'est pour ça que je parle plus énormément. On va y arriver. Le pire, c'est que tout cela, on connaît exactement comment les passer. Mais je la refais en plus! Ah, mais l'élan de confiance à la con là! Je suis stupide! Ah, mais là, je me déteste. Hein. Mais il y a plein de jeux comme ça où je fais les mêmes erreurs à la. Erreur stupide! Je suis capable de refaire 6 fois la même erreur! C'est parce que je me sens confiant. J'ai un corps stupide. Ah, bordel. Ok. Alors. Bon. Le tout c'est rester calme. Du coup t'as vu petit anneau, hein, ça va moins vite qu'avec notre speedrunner fou. GG, bravo. T'as fait combien? Ah! Bravo. Ah oui. Et encore, t'as pas fait t'as pas fait les 15 autres niveaux avec moi.
Mais je suis content que tu puisses profiter de cette musique incroyable. Qui est en plus super joyeuse quand tu fais un jeu où tu meurs 1000 fois. Je suis quand même très content qu'ils n'ont pas fait le choix artistique de recommencer les musiques à chaque mort. Parce que ça, ça aurait été un cauchemar. Ouais, j'aurais envie de pleurer. Je pense que j'aurais arrêté le jeu. Je serais pas allé si loin. J'ai failli la refaire. Bon, de toute façon, je suis mort quand même. Je le méritais. J'aurais coupé les musiques et j'aurais mis du bon vieux rock. Un peu métal. Pour coller avec l'ambiance des scies et du sang. Il faut que je vous montre quelque chose. Il faut que je vous montre à quel point j'ai mal au doigt. Parce que là, il tremble tout seul. Ça fait trop mal. Je viens de remarquer ça quand j'ai essayé de le poser sur la touche en relevant ma main. J'ai eu du mal à le poser sur la touche. Mais oui, là je suis stressé de ouf. Là, c'est ce moment-là, là. C'est ce moment-là là, qui me stresse de ouf. Bon, là on arrive à passer. Je mets mon son bas, comme ça je te rajoute un viewer. Pourquoi? Pourquoi tu mets ton son bas? Tu veux pas profiter de la musique? Pourquoi tu veux pas profiter de la musique avec nous? Ah oui, je comprends. Elle te fait déjà profiter de cette merveille. Ah donc attends, ça veut dire que si vous mettez à fond, vous l'entendez deux fois. En stéréo. Ouh. Mais ça c'est le niveau 2. C'est le niveau 2 de la torture ça. Après on rajoute le mode... Ah mais attends, deux fois avec un petit décalage. Et en plus de ça, tu rajoutes le mode qui fait qu'à chaque mort de Meat Boy, ça recommence. Oh. Du génie. Ok, ok. Et je meurs comment?
un gros nul. Ça fait même tellement longtemps qu'on est dans ce monde là que je me souviens même plus ce qui s'est passé au début du monde. Genre quel a été le gag du fait que ce soit Meat Boy qui soit enlevé, tu vois. Je me souviens pas de la cinématique d'intro. Trop de mort, ça te flingue le cerveau. C'est une bonne déduction. Il y aura sûrement du ciel et du rose. Ah bah si je meurs en première scie, on n'a pas fini. Hein. C'est assez impressionnant à quel point faut vraiment être pile poil dans le... pile poil dedans quoi. Ils ont pas été sympas pour cette fin de niveau. Je préférerais qu'ils mettent ça... En fait, j'aurais préféré qu'ils mettent ce genre de défi au début du niveau. Pas quand t'as passé déjà 3 quarts d'heure à esquiver des grosses scies. Ce qui est incroyable, c'est que je commence à dire quand t'as passé 3 quarts d'heure à éviter des grosses scies, tout ça, c'est des expressions, tout ça. Mais je sais qu'en vrai, bah ça fait vraiment 3 quarts d'heure que j'y suis. Ça fait réfléchir. Non, c'est pas le principe, effectivement. Je pense que le niveau des aimants, je l'ai fait en, je sais pas, 10-15 coups. Et que là, j'arrive pas. Ça se trouve, je vais pas y arriver pendant 3 heures. Et après, je vais reprendre. Et là, je vais faire le niveau en une seconde. Ouais. Oh, le cauchemar. En plus, si je commence à chanter, ça veut dire que j'arrive au stade où mon cerveau il veut pas, il veut plus, il veut plus entendre la musique. Ah! Je meurs comme un caca. On croirait un Meat Boy là. Je joue Bandage Girl, bordel. Les Meat Boy qui meurent tout le temps. Bon, des Jiggers, elle est meilleure. C'est pour ça qu'elle a les niveaux les plus durs. Elle est meilleure que Meat Boy. Elle pourrait pas avoir 2 vies. Je pense qu'on peut se dire que Céleste sera un bon jeu après ça, mais au fond, c'est vrai. Au moins il sera beau. Mais au moins, pour voir le bon côté des choses, quand je t'ai dit hier qu'on allait passer du temps sur un même niveau, que j'avais pas le même niveau de jeu, que Beatles je sais tout, et bah là t'es sûr. T'es sûr que c'est vrai là. Là, t'es sûr qu'au bout de tant de temps sur un niveau, ah voilà, je joue pas un jeu, je joue pas un rôle, le rôle des mecs nuls qui s'inflige. Non, là, c'est du véridique, là.
Le live de Crux. Je l'ai pas regardé en fait parce que je devais. Mince, j'avais des choses à faire. Mais je suis allé. Mince. Je l'ai host quand même. J'ai voulu montrer à mes amis et à mes viewers ce que ça donnait un vrai joueur. C'est vrai. On a tous tenu parole. C'est beau. Ça se trouve, c'est la naissance d'une grande amitié. Ah, j'étais pas loin de la scie, là. Un triple speedrun en commençant à 106%. Un Dark Ending. La vache. En combien de temps? Oh la vache. Quand tu fais quelque chose comme ça, on ne peut que te respecter. C'est avec des petites lignes qu'on fait des grandes montagnes. Oh, les citations. Je me demande bien combien t'en connais, des comme ça. Bon, on va y remettre un petit peu. Des commandants de 5 hommes. C'est le maître du calme. Tu regardes Kingdom? Ça va, tu t'aimes bien? Enfin, je parle de la série. Parce que moi, en gros, je suis pas très loin, je lis en manga. Et en manga, je trouve ça incroyable, mais j'ai un peu peur que les graphismes en CGI, j'ai un peu de mal. Ajin, c'était bien passé, mais là, Kingdom, je suis pas sûr. Et je fonce dedans. Mais oui, si tu veux parler animé, manga, tout ça avec moi, il n'y a pas de problème. Bon, ouais, tu lirais... Mince. Les mangas, ils sont incroyablement beaux. Genre, le coup de pinceau qu'il a, le gars, c'est impressionnant. C'est pour ça, j'avais pas trop compris pourquoi la CGI. Parce que le gars est très très doué. Après, peut-être qu'il met trop de temps à me faire ses dessins. Très fidèle historiquement parlant. Écoute, moi personnellement... Ah ouais? Attendez, je me concentre là parce que c'est le moment où je vais pleurer dans 2 secondes. Ah! Voilà, c'est bon, on peut reparler. Qu'est-ce que tu veux dire par très fidèle historiquement parlant? Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et je me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout du contexte historique. Ah ouais? Ah, c'est dommage. Il faudrait... Oh, ça me donne envie de regarder. Je vais pas me lever tout de suite, mais... J'adore faire des comparatifs animé-manga. Du coup, tu commences à me donner envie de le faire avec celui-là.
Je crois que j'avais vu une scène. La scène où t'as un. T'as un soldat. Là, les gars des montagnes. Qui se fait couper en deux, mais au moment où il saute sur un ennemi. Et je crois que j'avais vu cette scène-là, et celle-là, j'avais trouvé stylée. Donc, je sais pas si c'est une des scènes que tu parles. Ah oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Bah, souvent, les gars qui font des séries historiques, tu sais, ils se référencent à... Mince. Ils font souvent des voyages dans les pays pour voir les types de bâtiments et choses comme ça. Ouh. Ah, y a pas de la CGI partout? Ça, je savais pas, tu vois. Je pensais que c'était vraiment un truc qui était fait qu'avec ça. Je pense que je vais peut-être essayer de m'y intéresser du coup. Enfin, même si je connais un peu déjà ça. Mais... Oula. Bon allez, on va peut-être y arriver. Ça va Shiro, t'es encore là, t'arrives à tenir? La musique, c'est pas trop dur? Ouais, faut que je me concentre là. Ah, mais merde! Il me faudrait une attelle à mon doigt. Un bâton de bambou qui attacherait mes deux doigts à la gauche. Et bah tant mieux si t'arrives à supporter la musique. T'es entouré de tes pandas aujourd'hui ? Il te surveille. Va falloir que tu viennes en Normandie, si ça te tente. Vu l'heure qu'il est, quand t'arrives, je t'offrirai le café, si tu veux. Mais surtout, quand t'arrives, essaye de faire en sorte qu'on voit pas que t'es là. Parce que comme ça, on fait genre c'est moi qui joue et tu me fais le niveau. Ah! Deux, trois. Il faut que j'arrive plus souvent en haut parce que là, je fais aucun effort. C'est incroyable. Le 11 juin. Ah, il va falloir que je joue un moment alors. J'espère que d'ici le 11 juin, j'aurai réussi quand même. J'ai pas envie de finir en squelette devant mon PC. De quoi être patient? Et j'ai essayé d'être patient, regarde. Je suis allé très loin. Et c'est pas facile d'être patient. Parce qu'en soi, le truc... Bon.
sais ce que je vais faire? Je vais carrément enlever mon rendu de live pendant 2 minutes, le temps d'essayer de le faire. J'enlève tout. Voilà. Et là, on va essayer. Allez, y'a plus que la caméra qui me stresse, on est bon. Fois et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Con là ce que j'ai fait. Hein. Waouh, putain. Bon. Du coup. À demain. Mais quel enfoiré. Ouais, les encouragements, ça me va, ouais. Oh mon dieu! Ouais, pareil, après presque. Toujours au même endroit, quoi. Mais c'est vrai que, étant donné que 70% du niveau était fait, on peut considérer que c'était presque. Oui, là c'est sûr que tu peux pas t'arrêter. En fait, c'est ce qui est chiant, c'est que ouais, t'es obligé de foncer à chaque truc, genre en faire deux de suite, mine de rien, c'est compliqué. Hein. Du coup, c'est un coup de chat et le reste de la concentration. Enfin, on peut pas vraiment dire que c'est de la chatte étant donné que c'est ce que je fais, enfin... Ok. Allez. Pour vous. Ah mais bordel! Ce qui est horrible, c'est qu'en fait je suis la scie des yeux, genre pour voir le timing. Du coup, je regarde même pas mon personnage. C'est stupide de faire ça. Pour toi public, je déplacerai les montagnes.
J'ai vraiment sauté pour me les prendre les derniers temps, quoi. Effectivement. Ah mais c'est incroyable. J'ai inversé ma façon de penser en fait. Maintenant je pars dès que la scie arrive. Stressé pour celui-là. Un grand niveau implique de grandes responsabilités. Ah, mais bordel! Ah mais les scies elles sont horribles hein. En plus de devoir le faire en dashant, ça arrange pas du tout. C'est bien que j'ai compris mon erreur au moment du saut. Oh putain, je suis allé tellement trop loin. Ah mais c'est vraiment insupportable. Soit je suis pas fait pour ça, soit je suis nul. Dans les deux cas, c'est nul. On y croit. Allez, l'espoir n'est qu'un moteur.
j'ai vraiment fait ça. Un truc aussi con. Comment... J'ai même pas voulu y aller tellement j'étais en stress. Ah y'en a, je peux vraiment mais... J'ai même pas sauté. J'ai vraiment pas sauté du tout. Allez. J'ai officiellement passé une heure sur le même niveau. Oui, il y a plus de conviction. Yes! Oui! Merci à tous d'avoir supporté tout ça, tout ce temps. Oh bordel! Oh. Regardez-moi ça, tous ces bandage girls! Bon, on essaye de le faire en A+. Quoi? Attends. Oh, tu m'as foutu les boules. J'ai vraiment cru qu'il y en avait un derrière. Oh la vache. Eh bien, bisous YouTube, hein.